Lorsque j'étais une étudiante à Seoul, Paris représentait pour moi la peinture impressionniste à nouveau que je ne pouvais découvrir que en venant à Paris. En arrivant ici, j'ai particulièrement aimé le musée Clichy-Orsay. Paris était aussi pour moi le haut lieu de la haute culture et du design. J'ai immédiatement été très sensible à la scène et aussi dans la nature végétale, les arbres par exemple dans mes œuvres. Je cherchais à capter cette lumière fosseuse par les ombres et les creux qui donnaient le volume que je cherchais. J'ai été particulièrement inspirée par les manifestations de l'amour maternel, l'amour en tant que sentiment pur. J'ai exprimé ces sentiments que je n'avais pas l'occasion de pouvoir ressentir ni exprimer aux parents. En arrivant en France, j'ai vu les mères aller chercher leurs enfants à l'école, ce que n'arrivait pas chez nous, embrasser les enfants lorsque les retrouver. Ici, on prend à une place importante dans la famille. Voici les pièces que je fais. Ce sont des services à thé, mais ce sont plutôt des idées, des inspirations de thé. Car on ne peut pas vraiment prendre le thé avec. C'est un peu comme la haute couture. Ce sont des robes que on peut pas vraiment porter. Il y a aussi les sculptures de fleurs en vase que je travaille en deux matières, porcelaine et grès. J'essaie de créer en intérieur de la vie, puis ressentant dans espoir de réveil et d'offrir une vision de contraste en nuance. En tant qu'artiste, mes projets m'ont amené à parcourir le monde. J'ai reçu un prix au Japon, à Tokyo. Je passe des concours dans différents pays et je préparais des expositions en France et en Corée, notamment dans le sud où je participe à des marchés potiers. J'expose aussi assez régulièrement à des exposition de personnel ou collection au village Saint-Paul à Paris.